Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit easter egg sur Call of Duty Black Ops 3 en mode zombie sur la map Origin de Zombie Chronicles. Donc quand vous êtes au spawn de la map d'origine, la première pierre qui se trouve pour activer la musique se trouve ici. Donc c'est un gros métaux vert, vous ne pouvez pas le louper. Vous appuyez sur carré et voilà, donc vous allez entendre un petit... Ensuite, la deuxième pierre, elle se trouve vers le générateur 2. Donc vous allez à droite, vous ouvrez par la droite du spawn. Et vous arrivez, vous allez vers le No Man's Land, donc par ici, voilà, au workshop. Et là, vous allez monter à l'étage, donc juste ici, voilà. Et là, vous allez faire demi-tour et vous entendez le petit... Ça veut dire que la pièce est tout près. Donc voilà, la météorite, elle est juste là. Vous appuyez sur carré et voilà. Alors la troisième et dernière pièce, donc ce sera toujours les mêmes emplacements, hein, ça ne change pas. Donc la troisième et dernière pièce pour la musique se trouve près d'excavation, donc près du pack-a-punch. Donc vous n'allez pas au pack-a-punch, vous continuez tout droit et la pierre se trouve juste ici à côté des deux caisses. Et voilà. Donc ensuite une musique va commencer va commencer tout simplement, la musique va se lancer. Et voilà, vous aurez la musique, franchement elle est pas mal, elle est vraiment bien. Donc voilà, je vous la mets pas pour cause de droit d'auteur, mais voilà, je vous la laisse découvrir par vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, allez ciao, peace. Yummy, bruh.